Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Rolien, et bienvenue dans un nouvel épisode de Attaque. Et cette fois-ci, comme promis, nous allons descendre, juste mettre ça, noir. Noir. Chiotte. Et puis noir, et puis ici et ça. Et puis il manque juste en fait une ici, j'ai complètement zappé qu'il fallait que je la fasse depuis que je peux me balader comme ça. Mais bref. Donc nous allons nous crafter un petit monstre. Et puis ce que je pensais, je sais pas si vous êtes de mon avis, qu'est-ce qui est le plus effrayant? Une créature vraiment bizarre ou un creeper gentil? Perso, je mise pour le creeper gentil. Wow! Chiotte. J'aurais pas dû faire ça. Ouais, non, je pense que je vais enlever la prochaine fois. Donc, voilà tous les body parts que j'ai récupérés. Je voulais piller quelques villages. Et puis, j'ai de quoi nous faire un petit zombie. Est-ce que j'ai quoi faire deux zombies? Non, je ne crois pas. Donc, moi, ce que je pense, c'est qu'on va faire un petit zombie, déjà. Un petit creeper, pardon. Bonjour, monsieur le creeper. Tu m'appartiens bientôt. Et puis, alors, on va juste regarder un peu comment est-ce qu'on fait tout ça, parce que ça mérite assez grande réflexion. Ça, c'est Jar of Blood. En fait, dans le Nether, on peut aller récupérer. Il y a des grandes tours qui spawnent, genre, dans le Nether. Dans la lave, en principe, je l'ai rarement vu ailleurs, quelques fois, mais enfin bon, c'est souvent tout proche de la lave. Et en fait, c'est rempli de sang, donc vous prenez des buckets. C'est rempli de ça, et puis après vous allez pouvoir vous faire des Jar of Blood de cette manière là. Vous mettez votre bucket ici, vous mettez vos bouteilles ici, et puis ça vous en donne 8. Ce qui est logique, on en a 8. Donc ça c'est le moyen le plus rapide que j'ai trouvé. Sinon, ce que vous pouvez prendre aussi, c'est ça, et puis en fait frapper les mobs, et puis avec des bouteilles vides, des bouteilles en verre vides de votre inventaire, en fait ça va vous les remplir de sang. Pareil avec, j'ai ça là, ça. Ça, si vous frappez un mob avec une bouteille vide, en fait, ça, et puis que vous le tuez, hein, évidemment, il faut le tuer, ça vous donne une âme. Ça vous donne son âme dans une petite jarre. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait ça. Ensuite, ça, c'est crafté comment? On va juste regarder ça. Alors, juste mettre Necromancy. On va juste regarder ça. Avec une bone needle, et c'est tout simple, c'est juste de la bone meal, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Du string, et puis de l'iron ingots, et ça va vous permettre de crafter vos propres body parts. On va sûrement en faire un tout à l'heure, on va essayer de crafter genre un enderman ou un truc comme ça. Un truc qu'on n'a pas tout, où on va devoir se crafter ça. Et puis ensuite, vous les placez ici, on peut voir, vous les placez ici, vous mettez votre sang ici, votre âme ici, et puis ensuite vous cliquez à quelque part. Mais je crois qu'il faut... est-ce qu'il faudrait qu'il fasse mauvais temps? J'ai entendu ça quelque part. Et puis c'est grand soleil sur Attack, c'est grand soleil, c'est bizarre. Il devrait... Alors quand on veut pas qu'il pleuve, machin, il pleut pas. Et puis quand on veut qu'il pleuve, et ben... Quand on veut pas qu'il pleuve, il pleut. Et puis quand on veut pas qu'il pleuve, quand on veut qu'il pleuve pas, il pleut. Puis quand on veut qu'il pleuve, il pleut pas. Je crois que c'est... Prenez la deuxième et la cinquième proposition. Je crois que c'est les bonnes. Je crois. Oh merde, fuck my life. Bref, bah écoutez, je re tout à l'heure quand il fait mauvais temps. A plus. Et la pluie est tombée sur Attaque. Quelle bonne nouvelle. J'ai pas dû attendre trop longtemps. C'était cool. Parce que j'ai pas tellement le temps en fait. C'est le matin chez moi. Et puis maintenant... Tout a disparu, réapparu, et est-ce qu'on peut... Je t'ordonne de te lever! Voilà! Pourquoi t'es resté dessus? Ah non. Bonjour mon mignon! Qu'on va appeler Serge. Serge. J'espère qu'il n'y a pas de Serge qui me regarde. Serge le Creeper. Serge, c'est un peu le nom un peu de grand-papa, je trouve. C'est un peu le nom, genre, tranquillou, quoi. Sans... Voilà. Et puis, on va faire un petit name tag. Je crois qu'on doit en avoir. Ok, string paper. Et puis, ok, d'accord. String. Ok, paper.
on en a, ça va suffire. Et puis, c'était quoi, j'ai dit Slim Bowl. Bowl de bowl de bowl. Et puis, hop là, les grands poires sont craftés, du coup, deux name tags. Et puis, alors, hop, deux name tags. Oups là, j'ai cliqué sans faire exprès. Attendez, il est où? Waouh! Ah ouais, il marche quand même bizarrement. On voit que c'est pas un creeper. Hein. Ah, le boulet de minion. Bullet Meadow. Alors, on va s'en crafter deux. Et puis, normalement, je dois avoir une enclume à quelque part. Et puis, alors, mon petit, nous allons te nommer Serge. Serge the Creeper. Et puis, normalement, tu devrais t'appeler maintenant. Oups. Serge? Pas? Oh, ok, non, on peut pas. Bon, bah, très bien, tu vas rester mignon. mais on va quand même t'appeler Serge, même si tu portes pas ce nom-là. Bref. Alors, fail au niveau des name tags. Écoutez, c'est pas grave. Voilà, c'est comme ça arrive. Ensuite, on va se crafter un Enderman. Je sais pas si ce TP, ça pourrait être drôle un Enderman quand même. Ah, du coup, je vais prendre des Ender Pearl parce qu'en fait, il faut compléter les crafts avec. Genre de la gunpowder si vous voulez faire un creeper, des strings si vous voulez faire une araignée, la rotten flesh si vous voulez faire un zombie, et ainsi de suite. Et puis pour ça, à mon avis, ça doit être ça. Donc on va en prendre 8, on va en prendre 16. Just to make sure. Let this go. Ok, voilà, 16, très bien. Et on revient ici. C'est pratique ce gène speed. C'est absolument génial. Boum. Et nous sommes. J'aime bien en fait cette salle. Elle est cool. Alors, nous allons devoir nous crafter plein de trucs. Donc, je vais prendre ça et ça. J'ai Enderman Legs, Enderman Head. Est-ce que j'ai là des trucs de Enderman Arms? Et puis. Il nous faut encore un bras et. Ok, d'accord, il nous faut quand même pas mal de petites choses. Donc, il va nous falloir la tête, c'est bon. Il va nous falloir du torse, donc il faut ça. Et puis des poumons, il va nous falloir. Et puis des muscles. Et puis c'est bon, ça devrait jouer. Ok, donc on va faire d'abord le torse avec ça et ça ici. Il nous faut des os ici. Il nous faut ça là, comme ça. Et puis ensuite, vous voyez, ça ne va pas faire le craft. Et dès que je fais ça, boum, nous avons Enderman Torso. Et on va mettre ça ici, la tête là. Ça, c'est un bras. Et puis, le premier pied. Puis, il nous faut encore. Donc, il nous faut un bras et un pied. Donc, celui-ci, je ne sais plus lequel c'est. Je crois que ça doit être le bras. Je crois que ça doit être le bras, mais je suis pas 100% sûr. Il nous manque encore un os ici. Et puis, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne le bras. C'était juste. Ensuite, pour faire the feet. Ah, mais ça ici. Ça là. Boum. Hop là. Boum, boum. Et puis, on met l'Ender Pearl ici. Et puis maintenant, nous avons all we need. Donc, on revient ici. Et puis, on se fait un petit. Alors, remplacer. Ah, mais les pieds, j'avais pas besoin d'en faire deux. Bon, c'est pas grave. On va pouvoir s'en faire un deuxième d'Enderman. Comme ça. Boum. Et puis, boum. Et on a un Enderman qui dépasse de la table. C'est cool. Merci bien. Et puis, il nous faut encore. Ouais, ça, c'est bon. C'est bon. Et boum. Bonjour, monsieur l'Enderman. Mon cher Million. Comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Et puis, comment on fait en fait pour les contrôler? C'est le truc que j'ai pas encore bien pigé. Bah écoute, t'es grand, hein. T'es grand, mon gars. Et puis maintenant, petit délire. On va se faire. Moi, j'ai quand même envie d'utiliser ça. Des grandes pattes. Et puis, on va prendre. Est-ce que j'ai Witch Arm? Non. Spiderhead, ça peut être super drôle. Spider. Et puis, on va faire ça, le truc avec un bras. Je crois qu'on peut en faire un zombie pigman. Ça. Et puis, attendez, ça c'est quoi? Chicken Head. Ah oh, oui, Chicken Head. Encore mieux. Chicken Head avec ça. Et puis, on va faire un torse de
Je sais pas, de zombies, de quoi, de witch. Witch, par contre, je sais pas tellement ce qu'il faut. On n'a pas un torse de squelette. Torse de squelette. Parfait. Boum. Mon Dieu, que tu seras moche. J'ai tout mis là? Ouais, j'ai tout mis. Là là, cette grande gicle qui a absolument rien à voir. Ok, par contre, il va me falloir des noms là, ça va être un peu compliqué. Bref, qu'est-ce qu'on peut encore se faire? On va s'en faire 3-4, enfin 4 même du coup. Sheep legs. Allez, squid head. Squid head. Ça. Pig arm. Ok, d'accord, très bien. Legs et puis un torse de villageois. Allez, go. Alors, ça ici, ça là. C'est pratique en fait d'avoir pas mal de soul in jar. Et puis ça là. Legs et puis ça. Ah ouais, t'es affreusement moche là. Oh, mon Dieu. Oh, comme t'es dégueulasse. T'es ignoble. On dirait que c'est un villageois. Oh oui, t'es trop chou avec des petits bras qui bougent. Allez, si vous l'aimez, vous mettez un like. Oh là là, allez, venez, suivez-moi. Bonjour. Est-ce que l'Enderman se TP? Non, l'Enderman ne se TP pas. Ça va foutre le bordel. Ça va foutre. Ah ouais, par contre, je suis pas sûr que les stones ici soient vraiment une bonne idée. Parce que alors là. Et puis mon creeper, il est où? Creeper. Creepy creeper. Salut mon creeper! Ça fout quand même les boules, hein. Ça fout quand même les boules. Par ça, moi j'aimerais bien pouvoir les diriger. Et je sais pas tellement comment on fait ça. Si on retourne sur Necromancy. Necro. Necro. Est-ce qu'on peut les diriger? C'est quoi ça? Je sais pas. Je sais pas avec quoi en fait on peut les diriger. Mais c'est cool. Chicken legs. Mon Dieu. Stay where you are. Sais pas avec quoi il faut. Comment est-ce qu'on contrôle les minions? Je ne sais pas. On verra ça sûrement dans un prochain épisode. C'est pas encore le temps de nous quitter. Heureusement, heureusement. Qu'est-ce que vous aimeriez voir comme monstre? Qu'est-ce que vous aimeriez. Eh mais attendez. Non, non, on va pas faire ça. Une prochaine fois, une prochaine fois. Ces chiens qui nous suivent partout, en fait. Stay here. Pas bouger. Voilà, sortez sur place, je m'en fous, faites comme vous voulez. Ok. Par contre, moi j'ai. Alors là, mon gars, c'est pas fin. Pas fin du tout. Viens voir ici. Voilà. Laisse-moi prendre un petit peu de redstone. 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 On va prendre déjà ça et puis on va en prendre. Ouais, 16 ici, très bien. Submit. Parce qu'en fait, j'ai vidé un peu tout mon bar. Toi, t'es un vrai, toi. Toi, t'es un vrai. J'ai vidé un peu tout mon truc là de redstone pour faire tout mon tour, là, tout mon machin. Oh, arrête de me gueuler dans les oreilles, s'il te plaît, je m'en fous de toi. Allez, fuck you. Alors, ici, en fait, alors ça, on va prendre. Oh, ça, c'est pratique, ça, c'est cool. Ah, je ne savais pas. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va Magma Crucible, et puis ça, et normalement, on devrait pouvoir faire que tout ça parte. Attendez. Comment c'est censé partir déjà? Merde, je vois pas. On va faire un test. Command Redstone, go inside. Et puis normalement, t'es censé te crucible. Ou alors, il faut pas que ça soit. Ok, il faut pas que ça soit du chisel. Donc, chisel. Et ça, c'est un peu ce que je fais toute la journée quand je suis hors caméra. Hein. Vous voyez, c'est hyper cool. Very nice. On s'emmerde un peu. Hein. C'est pour ça que je filme pas tout et puis que je bosse pas mal off caméra. Maintenant, vous comprenez. Alors, hop. On va se les remettre en bloc normal. Boum. Et puis, boum. Et puis maintenant, là, ça se remplit. Mais maintenant, moi, ce que j'aimerais, c'est justement que. Et je crois que c'est derrière. I don't get it.
Ou bien non, fiche le Kong. Ou bien non, attends. Si, depuis derrière, on dit que ça se vide. Ah, merde, c'est comme ça. Chiottes. Par contre, là, du coup, on va mettre genre orange. Est-ce qu'on peut faire revenir ça dans l'autre sens? Ça serait pratique, hein? Parce que là, je crois que je me suis planté. Tandis que là, maintenant, c'est censé remplir, je crois. Alors, hop, on est à combien? 5000? Ouais, c'est bon, ça remplit. Très bien. Oh, mais comme t'es moche! Tu me fais pitié. Et dommage qu'on puisse pas utiliser les name tags, quoi. Alors, Serge, c'est le creeper. L'Enderman, on va l'appeler Louis. Hein, Louis? Désolé pour tous les Louis. Ou les Louis qui me regardent. Ou alors, c'est un honneur hein, d'avoir un mignon à son nom. Par contre, il a toujours la gueule ouverte. Dommage qu'il fasse pas de bruit. Oh non, en fait, heureusement, parce que sinon, ça nous pèterait les oreilles. Ça nous pèterait les oreilles. Qu'est-ce que vous aimeriez faire aussi dans le prochain? Non, en fait, le prochain, j'ai déjà une petite idée de ce qu'on va faire. D'ailleurs, on pourrait déjà commencer dans cet épisode-là. J'ai bougé le portail là-bas pour Tropicraft. Et puis, ce que je me demandais, c'était qu'on allait pouvoir se construire une petite maison bien sympatoche. Évidemment, en bois de bambou et en bois tout court aussi. Par contre, je sais plus, les bambous, je les ai ici. Je dois en avoir. Waouh! Ah! Merci, garde du corps, creeper. En fait, le creeper n'a rien fait, c'est l'Enderman, ce truc bizarre, et puis les autres. Bref. Bamboo, come on here. On va en commander 320. En commander. On va en prendre 320. Ah, puis il me faut aussi. Du coup, de quoi aller là-bas. Hop, all. Est-ce que j'ai du pineapple? Ça, c'est la question. Non, évidemment. Pinewood. Non, il faut que je fasse ça un peu off-camera, que je regarde, que je réunisse tous les matériaux, et puis ensuite on ira faire ça ensemble. Par contre, il faut juste que là, j'aille vider mon inventaire. Voili-voilou. Pouf. J'ai dit pouf. Voilà. Alors, on va remettre ça ici. Creeper Red, machin. Les jars, ça allait ici. On va remettre ça ici. Ça là. Et ça ici. Et je crois que... Juste encore ça. Ah, puis les os aussi, parce qu'on en a souvent besoin. Les os et puis les spider eyes. On va les mettre là. Voilà. Et puis, ah oui, pour créer ça, ça c'est très simple. Vous prenez du cuir, donc vous le mettez là avec une bonne needle et des strings et ça vous en donne 8. Voilà. C'est comme ça que ça se fait. Comme ça, vous savez tout et vous pouvez tout refaire chez vous. Faites vos propres monstres. Par contre, toi, tu es toujours sur la table d'opération, mais normalement, tu ne devrais plus y être. Voilà, parfait. Alors hop, on se remet dessus. Je sais, c'est utiliser l'XP, mais OZEF. Et puis du coup, je suis même pas sûr. En fait, j'ai fait un shift-click pour créer le minion. Je suis même pas sûr. Ah, oh, ça récupère de l'XP. Ah, donc contre les minions. Putain. Oh, désespoir. 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 Allez, rentrez pas, je m'en fous. Toi, je crois que t'es vraiment le plus ignoble, quoi. Tête de poulet. Oh, mais t'es moche. Oh mon Dieu. Qu'ai-je fait pour mériter ça? Qu'ai-je fait? Il y a un truc que j'aimerais bien avoir, c'est du Barks. Ça. Hellbark Wood Plank. Hellbark Wood. Et je ne sais même pas en fait où est-ce qu'on trouve ça. Et puis attendez. Ah non, mais c'est pas ceci en fait, c'est ceci. Redwood Bark. Burn it for charcoal or make a hidden tree door. Il faudrait que je regarde un peu quel est ce bois-là, parce que ce bois est hyper cool. Puis j'aimerais bien l'avoir. Donc il faut qu'on regarde ça. Oui, parce qu'on a le. Ouais, Redwood Bark, mais là on a le Hellbark Wood. Mais on n'a pas de Redwood Bark, quoi. On a du. Non, c'est du Pinewood. Est-ce que j'ai du Redwood à quelque part? Ou quoi? Voilà. Ouais, Redwood. Mais ça donne ça, c'est pas ça. Hein. Ou je rêve? Mais non, c'est pas possible que ça donne ça. No possible. Ça va donner un truc tout rouge. Voilà. Redwood Planks. Mais nous, c'est des barques qu'il faut.
et je ne sais pas comment est-ce qu'on l'obtient. Donc il faut que je regarde comment est-ce qu'on l'obtient, et puis je suis à vous directos après. Et puis voilà. Mais je pense que en fait, dans cet épisode-là, on va pas forcément continuer. Allez, viens voir ici. Ah bah tenez, je peux juste faire ça. On va vite finir un peu à l'arrache comme ça il y aura un épisode de tournée pour moi. Non, je plaisante. On va s'en prendre deux parce que comme ça on va pouvoir faire un bloc entier. Ça, c'est le truc hyper pratique avec micro-bloc. Quand vous séparez un bloc en deux et puis que de votre inventaire vous le remettez ensemble, vous pouvez récupérer votre brique. Si ça c'est pas la monster class, je ne sais pas ce que c'est. C'est quand même hyper pratique. Et combien de fois on rage, on fait des dalles et puis au final on n'a pas besoin de routon. Après on rage parce qu'on en a trop et puis qu'il nous manque des blocs. Moi perso, ça m'arrive souvent. Voilà, je sais pas ce que vous avez, ce que vous ajoutez ici. Je voyais pas tellement encore quoi rajouter, peut-être des petits détails, des petits trucs, mais pour le moment voilà, good enough comme dirait l'autre. Et puis de ce côté-là, apparemment ils ont leur skin de The Dream. Peut-être que le tournage sera pour aujourd'hui en espérant qu'ils passent chez moi. Ça serait assez lols. Voilà, je vous aime fort les amis. Prenez soin de vous, c'est un épisode un poil court, mais j'espère que vous avez apprécié la création de tous ces monstres, et surtout celui-ci qui est absolument ignoble. Si vous savez comment les diriger, merci de le mettre en commentaire, je le verrai dans un prochain épisode. Et puis si, voilà, si vous avez aimé, évidemment, un petit like, un petit abo et tout ça, ça fait super plaisir. Je vous aime fort, bye bye. Ma réserve de cactus et de canne à sucre, parce qu'il en faut un paquet. Allez. À plus.